suis-je? Je me rappelle de... Oh, aidez-moi. Alors, ça se réveille? Laissez-moi partir. J'ai cru que je t'avais tué. Mais non. Alors, laisse-moi t'expliquer ce qui va se passer. Tu vas subir une ablation. De ton joli petit bec doré. Non. Tu n'en as plus besoin maintenant, non? Laissez-moi m'en aller. Non, je ne veux pas. Non. Tout va bien se passer. Je suis une professionnelle. Assistant Freddy, la patiente est prête. Très bien, j'apporte les outils. Pince. Pince. Oh non, ça pique un peu. Et voilà. Le bec technologique. Avec ça, ma vie va devenir beaucoup plus facile. Merci, Chica. Bien joué, assistant. Sans toi, j'aurais pas pu... Freddy ? Je crois que je me sens pas bien. Merde ! Oh, quelle joie. Quelle joie d'avoir évacué Chica de ma vie de façon très définitive. Stop. Ok, on va faire une petite pause dans cette introduction parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Laissez-moi vous présenter mon projet du moment, mon projet coup de cœur. Il s'agit d'un roman que je suis en train d'écrire et qui s'appelle Le Comte des Cendres. De l'horreur, de l'humour, des choses un peu mignonnes et des choses un peu moins mignonnes sont cachées dans le roman. Aussi, si vous voulez m'aider à monter ce projet et à faire paraître le livre en librairie, je vous laisse les liens dans la description. Vous pourrez donc le précommander et le recevoir directement chez vous. C'est un projet qui est très important pour moi étant donné que je travaille dessus depuis quelques années déjà, dans le plus grand des secrets, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne ces derniers temps. Pour que le projet voie le jour, aidez-moi à atteindre les 1800 préventes et vous pourrez entrer dans le monde de l'autre face. Voilà, je vous embête pas plus, la vidéo continue. Oh, quelle joie d'avoir évacué Chica de ma vie de façon très définitive. On a récupéré ce petit appareil, un bec électronique qui est censé faire dysfonctionner les autres animatronics, un peu comme ça. Oh non, quel est ce son de l'enfer? Non, Terriblement efficace. On peut presque dire qu'on s'est battu bec et ongle pour l'avoir. Merci Benji, t'as compris? Bec et ongle? Maintenant, ma vie va changer. Le temps de la terreur est révolu. À l'attaque, Grégory! Oh oui, oh, mais c'est le foutoir. Mais c'est le foutoir everywhere. On est où, là? Il y a des boîtes de pizza... Du bois... des bouteilles... Ah, des bouteilles! Ouais, des bouteilles. Vous avez dit que Chica, elle était portée un peu sur... Elle marchait pas droit, donc les ravages de l'alcool. Ceci explique cela. On est censé normalement être dans le compacteur à ordures, donc sous la cuisine. On devrait faire appel à l'inspection de l'hygiène. On va faire fermer cet établissement de façon permanente. Ah d'accord, il y a des égouts directs. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est là d'où vient l'eau des toilettes. À deux doigts de voir un étron tomber. On va marcher dans les égouts? Oui, allez. On n'a pas peur des maladies. Je suis sûre que j'ai chopé le Covid-23. What? Quelqu'un a dessiné une brique de lait sur ce caillou. C'est pas une brique de lait, c'est un dessin d'une brique de lait. Sûrement des animatronics des cavernes, les ancêtres de Freddy et tout. Mais on est sur une décharge. Ça me répugne un peu. Ok, Ah bah oui, d'accord, il y a un tunnel sombre. Un tunnel sombre. J'aime pas ça, les tunnels sombres. Et ça, c'est une porte fermée. Ça a l'air d'être électronique. Il y a un tuyau. Oh non! Oh non! À tous les coups, il va y avoir un bail avec des générateurs. Oh. Mais j'ai pas envie, moi! Il va falloir les allumer pour ouvrir la porte. En plus, faut aller là! Dans le tunnel. Mais moisi, dis tout moisi. Ok, d'accord. Il faut être extrêmement attentif au bruit. Oh, des arbres! Ouais, d'accord, oui, il y a des arbres, il y a des arbres. C'est Freddy qui fait son jardin. Il est là, il plante ses petites tomates dans son petit potager. Oh! Oh, shit! Tu bouges? Tu bouges pas? Maintenant, tu bougeras plus. C'est par précaution. Vu qu'il y a des trucs qui se relèvent pour te tuer à tout instant, là, dans ce jeu... Qui va là?
avec le bruit des égouts, de l'eau, des petits caca des employés qui tombent dans l'eau avec un petit floc. Cachez-vous. Pourquoi je dois me cacher? Tu me parles meilleur. Tu me parles meilleur, la caisse! Tu me parles meilleur! Je sais pas trop ce que je cherche. Je sais pas ce que je fais là, d'ailleurs. Je visite. C'est une visite VIP du Pizzaplex. Ah, il y a très peu de touristes qui sont arrivés là, je peux vous le dire. Ah, on est privilégiés avec Grégory de visiter les bas-fonds du Pizzaplex. Le moisi, les pots de peinture, les barrières oxydées avec du tétanos dessus. Un plaisir. Un générateur. Bordel, je vous l'avais dit! Encore des fucking générateurs, là! Ça me rappelle les heures sombres de mon gameplay. Ça me rappelle la garderie! Atroce. Bah vas-y, allume. Fais-toi un plaisir. Allumez les générateurs, 1 sur 3. Oh! Il y en a 3 en plus! Mais non! Faut doser un peu, là, non? Va falloir payer les factures EDF à un moment, les gars. Pédaler dans la cave, je sais pas! Mais les générateurs, c'est has-been! Je vous propose de suivre les tuyaux! Je pense que c'est ça, le but du jeu, c'est suivre les tuyaux, comme dans la garderie. Il y a un truc qui approche. Un gros truc. Tout ce que j'ai fait dans l'épisode précédent. Braver le bowling, chercher le Mystery Mix de Monty, m'aventurer dans les cuisines, enfermer Chica dans le compacteur à ordures et lui tataner sa race, ça n'a servi à rien. Est-ce que ça voudrait dire que tout ce que je fais depuis le début dans Five Nights at Freddy's 9 est complètement inutile? Non! Bon non! Pas dans Five Nights at Freddy's, voyons! C'est pas du tout le genre du jeu à te faire perdre ton temps pour de la merde! Je suis absolument pas fan du concept de « Oh bah tu vois, Grégory, il faut qu'on aille récupérer cet objet! Ce ticket magique te permettra d'accéder à une zone! » Ok, d'accord, très bien, on va chercher le ticket magique au prix de notre vie et de multiples fails. Et là, à chaque fois, il y a Freddy, il te calme direct! Oh bah en fait, non, ça sert à rien! Mais par contre, il faut que t'ailles récupérer un autre ticket, dans un autre endroit! Tu vas récupérer le ticket! Parce que tu fais confiance à cette tête de fion! Tu lui donnes! Oh bah, de toute évidence, je crois que ça ne sert à rien! Il faut trouver autre chose! Je suis scandalisée! C'est scandaleux! Bon, au début, tu te dis, bon, ça peut arriver, les plans, ça va, ça vient, tu peux changer de plan dans la vie, comme tu peux changer de plan dans le jeu. Mais c'est systématique, à chaque fois tu changes de plan, c'est pas linéaire, je comprends même pas ce que je fais depuis le début du jeu. Ah bah d'abord, il faut faire ci, après, il faut faire ça. Ta gueule! Ferme ta gueule! Moi, je veux juste sortir du complexe. Depuis le début, putain! Je vous signale que quand même, depuis le début, tout ce qu'on a fait, c'est un échec. Tout! Y'a rien qui sert. Rien du tout qui sert. Vous avez quoi? Un troupi? On va suivre les tuyaux! On va suivre les gros tuyaux! Ils sont où? Tiens, pense à toi. Oh, mais casse-toi! J'ai plus le temps! Ok, c'est parti, Grégory! Oh là là, elle a mis des petits rubans LED en plus, hein, Chica! Elle va se lancer sur YouTube, là! Bonjour, c'est Chica! Aujourd'hui, on fait de la pizza! Parce que tous les streamers et tous les YouTubers, maintenant, ils ont des rubans LED derrière, je sais pas si vous savez. Faudrait peut-être que j'en achète, moi aussi, pour faire style. Ok! Pousse-toi, Chica! Pousse-toi! C'est le bordel, je suis perdue! Et là... Ah, si je reconnais, c'est le jardin de Freddy! Oui, avec les plantes et tout. Oh, heureusement que je raconte plein de conneries. Hein. Mes conneries, c'est un point de repère dans la vie. La porte est ouverte. Oh, super. Oh, un casque d'ouvrier. Il y avait des humains ici. Il a même laissé sa boîte à outils. Sa percheuse. Son marteau. Oh, fichtre. Vite, Grégory, mets le casque sur ta trombine pour plus de protection. Grégory le bricoleur. Moi, je sais pas, à la place de Grégory... J'essaierai de me faire une armure ou de me faire passer pour un animatronique pour être tranquille. Je prendrai des armes en fait. Il est pas très bien dégourdi ce garçon. Hein. Suivre les tuyaux! Bah oui, évidemment. Évidemment! Oh bah hé! Et oui! Faut encore trouver un générateur, c'est ça? Le jeu aurait dû s'appeler Five Tuyaux at Freddy's. J'entends, je crois qu'elle arrive. Elle arrive. Elle arrive, elle arrive. Hé hey, Chica! C'est quoi ça? Je t'ai volé ton nez! Hé! Cours, cours, Grégory, cours! Ouf! J'aurais dû courir plus vite. On peut dire que j'ai perdu la main! Merci, Benji!
Suivre le tuyau. Mais il mesure 300 km le tuyau. Regardez ça. Ok. Où est-ce qu'elle est? Bordel, je l'entends, je la vois pas. Elle est toute proche. Ouais. Suis le tuyau, Greg. Il est là. Surtout ne le perds pas de vue. C'est la porte de sortie. El générateur. Nice. Regardez-moi, je suis puissant. Je suis Grégory le puissant. J'ai peur. C'était un prout? Voyons, chica! Alors, elle est une grosse cracheuse? C'est le régime pizza-bière. Buvez avec modération, les amis. Suivre le tuyau! La porte est ouverte! Oui! Plus qu'une! Ok. Ils sont combien? Ils sont un? Ils sont au moins deux? Ils sont au moins deux. Oh, j'ai une idée. On va utiliser ce que notre aventure nous a donné. On va essayer de choper le bec de Chica et on va essayer de les faire dysfonctionner. Ok, il est là. Je peux pas l'utiliser? Non. Alors pourquoi j'ai risqué ma vie pour ce machin du coup? Oh là là! Écoutez, on s'en fout. Quand je dis tout ce que je fais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, je vous propose, on fonce. Grégory, il a des baloches grosses comme des boules de bowling. On y va. On va éviter la lumière. Voilà. Très bien. Le deuxième. Oh, là-bas, c'est le symbole de rechargement de Freddy, non? J'ai récupéré Freddy. Venez, on y va. Ok, Freddy, sauve-moi. Dedans. Quoi? C'est pas du tout le bloc de rechargement de Freddy, ça. Ils ont dessiné des éclairs dessus pour m'attirer. C'était un piège! Donc ok, alors moi je suis là. Chica est là aussi. Cool. Le générateur est là. Oh, ça va, c'est pas loin, c'est dans le coude. Et là, il y a Chica. Ah d'accord. Bon, ça s'arrange pas. On monte d'un cran dans la glauquerie, ok? Elle tourne autour du générateur, ok. Écoutez, je cours, je fonce, je la calme direct et j'allume le bidule. C'est mon plan, il est infaillible. Go, Gregory! Conduis-moi à ton chef, le sbire. Ok. Fonce. Très bien. Mec magique! Il est faillible! Mon plan est faillible! Grégorotti, on y va! Je l'entends. Si je la vois, je la flingue. Je la vois. Ok! Je sais pas où je vais, par contre, c'est... Oh! Waouh! C'est le monde des post-it! Regardez, il y en a plein! De toutes les couleurs, il y a des post-it! Il y a des dessins! Il y a des étoiles! Prends ça, l'étoile! Je niquais ta mère, l'étoile! Moi aussi, j'adore les post-it. Il y a un artiste qui habite ici. C'est ma maison. Partez! Mais c'est la maison de qui? C'est sympa comme papier peint. Ça donne de la couleur et tout, un peu de joie. Par contre, l'éclairage... un peu glauque quand même, hein. Oh, le mec qui habite ici, il s'est constitué une famille pour pas être tout seul. Et c'est son anniversaire. Regardez, il y a tout. Il y a la daronne, le petit frère fan de baseball, l'oncle un peu coincé, l'enfant spécial de la famille. Et là, c'est son anniversaire. Vous croyez qu'il leur donne des voix à tous? Oh, c'est tellement gentil de vous être réunis pour mon anniversaire. Même oncle John est venu. Bah oui, y'a pas de quoi, c'était normal après tout que je sois là pour un événement aussi important. Oh, merci beaucoup. Et toi, Bobby, tu as renoncé à ton match de baseball pour être là avec moi? Ah ouais, t'inquiète, c'est normal. T'es quand même ma cousine préférée, alors jamais j'aurais pu manquer une telle occasion. Oh, Bobby. Oh, ce cadeau, il est... Il
clé pour moi? Oui, on s'est cotisé, on s'est dit que sûrement ça te ferait plaisir. Oh, je sais pas du tout comment vous remercier. Oh, c'est vrai? Je mérite pas, je mérite absolument pas. C'est quoi comme cadeau? Vieille affiche. C'est nul. Madame, c'est nul. Joyeux anniversaire quand même. Venez, on s'en va, il faut qu'on aille retrouver Freddy dans le service pièces et entretien. Parce que c'est un cauchemar interminable, ça ne s'arrête jamais. La sortie, elle est là-bas. Ok, alors pour la scène qui va suivre, je vais vous demander d'être extrêmement attentif. Parce que je suis tombée sur un bug que j'avais encore jamais vu. Alors pour les connaisseurs et connaisseuses de Five Nights at Freddy's, à vos claviers, expliquez-moi. Parce que j'aimerais bien comprendre. What? Oh, Grégory, c'est moi, c'est Freddy. Rentre dans mon bidou. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un enchaînement de l'enfer. J'ai pas compris. J'en ai marre des bugs, d'accord. Pourquoi je me suis téléportée? Et d'où il sort? D'où tu sors, Freddy? T'étais caché où tout ce temps? T'es où? Et il a même plus de batterie, sans déconner. Tu sers à rien. On devait se rejoindre au service pièces et entretien. C'est dans la quête. C'est la mission. C'est la mission. Tu faisais quoi? Hein? Tu faisais quoi? Ce que faisait Freddy. Et vous dites que cet enfant qui vous martyrise s'appelle Grégory? Oui, c'est ça. Il est horrible. Il m'insulte. Il dit que je sers à rien. Et il insiste pour grimper dans mon bidou. D'accord. J'en peux plus. Ce Grégory, il est avec nous dans la pièce actuellement? Oui, il est dans mes rêves, il est partout. J'entends la musique de la scène là, pas loin. C'est pas là, c'est la cuisine. Voilà, c'est là, super, on traverse, tranquillement. J'avais raison. Dis que j'avais raison. Oui, tu as toujours raison. C'est bien. Wouh! Wouh! On est sur scène! Waouh, ils sont beaux les fessiers! On est sous les fesses. On est sous des fesses. Oh non, je lag. Les culs font laguer. Pourquoi je lag? J'ai perdu 50 milliards de FPS là. Ça lag du cul. C'est-à-dire que le jeu, il n'est pas conçu pour avoir autant d'animation. Le jeu, il n'est même pas conçu pour avoir du fun. Donc à partir de là... Amélioration de Chica. Oh, ça veut dire que je vais devoir greffer le bec de Chica à Freddy? Ça va être un peu bizarre, non? C'est un ours! Non! C'est un canard! Mais non! C'est un canours! On va opérer le patient qui attend! Tu me fais confiance, hein, Freddy? Tu me fais confiance. Salut, copain! T'inquiète pas, ça va bien se passer. J'ai déjà fait ça sur Chica, elle est encore là. Bon, sa tête fait un 360 degrés, mais elle est en état de fonctionnement. Je sais ce que je fais. Ouais, ça m'a l'air bien, là. C'est pas mal. Et voilà, cet ours est maintenant doté d'un super larynx de canard. This upgrade, it was Chica's. Please be honest. When I was in the kitchen earlier, she fell into some sort of... Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Okay? Well, she's still functional. That is a relief. With this new voice box, I should be able to make a vocal pitch that will stun animatronics. Par contre, ça lui a grave changé la voix, je trouve. Maintenant, il parle comme ça, un petit peu. Super, Freddy, enfin, tu vas pouvoir être utile, servir à quelque chose. Rendez-vous à la station de recharge. Ok, c'est vrai qu'il y a toujours la lune qui se balade partout, mais maintenant, on craint plus rien. Now that I have been upgraded, I should be able to access the Roxy Raceway. I have not been there for a very long time, but perhaps you can find some clues on how to deal with Roxy while you are there. Mais tu es bipolaire? Mais tu es fou! Freddy, 20 secondes auparavant. J'espère que Chica va bien. 20 secondes plus tard. Allons, massacrer Roxy! Tu es fou! Tu es un grand malade, toi! Boubou! On va devoir défoncer Roxy. Ouais. Mais on fera ça dans un autre épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune des vidéos de Five Nights at Freddy's et les autres quand j'aurai fini le Let's Play. En attendant d'autres vidéos, prenez soin de votre ogne. On se retrouve bientôt. Bzou!